vraiment bien célébré ce titre de championne de France, bien mérité aussi au vu de notre saison et en même temps célébrer, même si c'est pas un titre, mais le fait d'avoir été vice-champion d'Europe en Euroleague, ce qui n'était pas arrivé pour un club français depuis 20 ans maintenant. Voilà, c'était une vraie fête du basket, on a l'impression d'avoir récompensé tout un peuple. La recette pour moi du haut niveau, c'est surtout être investi et engagé à 200%, être capable de jouer un basket avec de l'intensité et tirer la quintessence des joueuses. Et c'est ce que j'essaye de faire, essayer de m'adapter un petit peu au profil, au morphotype d'équipe un peu différente pour tirer à chaque fois le meilleur de cette équipe-là. Mais après, dans le style, on peut avoir des incontournables du haut niveau autour du jeu rapide, autour de l'alternance et bien entendu aussi de bases défensives très solides. C'est très excitant parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même la meilleure compétition au monde. On sait que c'est une compétition où les athlètes font rarement l'impasse. C'est même souvent un objectif majeur pour eux et donc ça l'est devenu pour moi aussi. Donc très excité de pouvoir être confronté aux meilleures nations parce que seules les meilleures nations se qualifient aux Jeux Olympiques dont on fait partie. Donc il y a un vrai challenge auquel j'ai vraiment envie de faire face. J'ai envie d'être à la hauteur de cet événement-là. On l'a été sur un championnat d'Europe, à nous de l'être maintenant sur la scène intercontinentale.